Nuit blanche, J-2 depuis 2002 à Paris. Chaque année, l'opération permet gratuitement, durant la nuit bien sûr, de découvrir musées, institutions culturelles, des installations de performance, également artistiques, sont proposées. Saint-Quentin-en-Yvelines n'est pas en reste. Sandy Descoings, vous nous disiez tout à l'heure que Saint-Quentin-en-Yvelines n'avait pas à rougir de ce qui se faisait sur Paris. On va juste regarder tout de même un chiffre. Le chiffre du jour, 2,5 millions de personnes ont participé à Paris à l'édition 2011 de la Nuit blanche. Combien de personnes vous attendez à Saint-Quentin-en-Yvelines cette année? Alors combien peut-être de personnes? Pas 2 millions et demi de personnes. Tout à fait. En plus, la météo est un facteur déterminant hein, dans ces soirées, puisque l'année dernière, il faut se rappeler qu'on avait eu un superbe temps qui nous avait permis d'accueillir à Saint-Quentin-en-Yvelines plus de 2000 personnes lors de la Nuit blanche. La météo du week-end qui arrive s'annonce un tout petit peu plus mouvementée, donc on verra bien ce qu'on va pouvoir proposer. Mais la Nuit blanche à Saint-Quentin-en-Yvelines aura lieu. Goutte que goutte. Goutte que goutte, qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, vous aurez une solution de repli, on le verra d'ailleurs. Alors quels sont les sites qui sont concernés cette année? Au tout début, il y a 3 ans, la première participation, vous étiez plutôt du côté de la médiathèque du canal sur Montigny-le-Bretonneux, c'est plus le cas cette année. Tout à fait, on a proposé donc pendant 2 ans une nuit blanche à la médiathèque du canal. Cette année, ce sont plutôt deux pôles très opposés de la ville nouvelle que nous allons occuper, enfin de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. La ferme de Belle-et-Bas avec une nuit de la poésie proposée en partenariat avec la Maison de la Poésie dans le cadre de Poésie Yvelines et une nuit blanche sur le quartier des Sept Mares à Saint-Quentin-en-Yvelines, donc quartier un petit peu historique culturellement puisque c'est lui qui a vu apparaître la première structure culturelle intercommunale, la PASC. Donc on va investir le quartier, on va pouvoir se retrouver sur le parc de l'Homme couché avec la proposition chorégraphique donc qui invite 120 habitants de Saint-Quentin à participer à la création d'un spectacle, tout ça mené par l'équipe de Jean-Claude Galota, donc qui dirige le Centre chorégraphique national de Grenoble. On va avoir aussi des propositions à la médiathèque des Sept Mares avec plusieurs animations, l'école de musique, l'école de danse, l'association Créa Danse, des lectures de contes, donc de nombreuses propositions, des performances de plasticiens puisque la commanderie des Templiers de la Villedieu et ses propositions art plastique se déplaceront donc au centre du quartier des Sept Mares sous le passage au Bœuf pour des performances dessinées, puisque cette année nous accueillons une résidence de 7 dessinateurs. Et vous avez associé justement tous les artistes tous en les résidence un petit peu voilà, du les secteur. Les artistes en résidence, les structures culturelles. Les artistes du street art qui sont en résidence. Ah non, ça c'était ceux de l'année dernière que nous avions associés pour le street art, qui avait d'ailleurs fait une performance devant la médiathèque. Donc chaque année vous reprenez les artistes qui sont là et vous travaillez avec eux. C'est un travail qui est assez long, en fait. Hein. C'est un travail qui est assez long. Avec Jean-Claude Galota. Alors, le travail sur la chorégraphie avec Jean-Claude Galota, donc, c'est un projet qui est né il y a un peu plus d'un an dans l'esprit de l'équipe du Prisme, hein, puisque c'est le Prisme qui porte ce projet dans le cadre de la Nuit blanche. Les rencontres avec les habitants ont commencé au mois de mars-avril et les répétitions au mois de juillet pour se continuer tout le mois de septembre et encore le week-end dernier et sûrement demain soir en extérieur, j'espère. Et ces répétitions, nous les avons suivies justement. Représentation de la pièce chorégraphique L'élan de Jean-Claude Galota, ce sera lors de ces nuits blanches du côté d'Élancourt. Comment se déroulent les répétitions avec ses amateurs? Johanna Soudry, Patrick Jacques de Dixmude. Marie-Laure est élancourtoise. Elle avait participé l'année dernière au projet de danse mené par Olivier Dubois au Prisme. Comblée par cette expérience artistique, Marie-Laure s'est inscrite au nouvel atelier du chorégraphe Jean-Claude Galota. Je trouve que c'est une occasion extraordinaire de danser avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, de tout niveau, qu'on soit simple danseur ou bien un peu plus expérimenté. Et ce lien qui se crée entre nous et le plaisir de danser est une expérience à partager. Une expérience à partager entre plusieurs générations, c'est le défi de Jean-Claude Galota, réunir et faire danser des amateurs de tous âges pour la Nuit blanche de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il y aura des enfants, en fait 50 enfants. Après, ils donnent la place à 50 adultes qui refont un peu des gestes qu'on a un peu vus avec eux. Et puis ensuite, tous les gens se déplacent et vont sur l'esplanade. Et là, ils voient la troisième génération, en fait, des personnes âgées qui refont d'autres gestes. Et quand ces personnes âgées ont terminé, en fait, toutes les générations se retrouvent sur l'esplanade et font une danse où il y a 150 danseurs, en fait. Je trouvais ça magnifique, cette idée
que tout le monde peut être danseur et que tout le monde peut danser de la maternelle jusqu'à la tombe. Le groupe des seniors répète depuis le mois de juin avec Yannick, assistant de Jean-Claude Galota. C'est une expérience assez touchante, je trouve, de voir le mouvement traverser les corps en fait, qui n'ont pas l'habitude de bouger. Et puis voilà, de voir toutes les étapes du travail, aussi bien le début, les corps qui sont complètement fermés au mouvement et qui, au bout de 3 semaines de travail, s'ouvrent complètement. 25 personnes de 50 à 82 ans composent le groupe numéro 3, un groupe très assidu et motivé. Aujourd'hui, justement, on travaille sur la précision et on se rend compte qu'on a interprété chacun des gestes à notre façon, avec notre style. Alors, il y a des fois où on nous dit que c'est bien, puis il y a des fois, au contraire, c'est pas bien du tout, il faut être très strict. Un cours de danse qui réserve bien des surprises. Une de nous, et qui n'était de loin pas la plus jeune, qui a fait le grand écart devant nos yeux ébahis. Prochaine étape, la rencontre avec les autres groupes pour la suite des répétitions avant le spectacle final, interprété au Prisme à Elancourt lors de la Nuit Blanche de Saint-Quentin-en-Yvelines le samedi 6 octobre. Tout est prêt, les répétitions se poursuivent, mais s'il pleut, que va-t-il se passer? Vous avez une solution de repli? S'il pleut, on a le plan B. Donc le plan B, c'est effectivement de proposer les représentations de l'élan à l'intérieur du prisme, en salle, ce qui n'est pas le projet initial, mais en tous les cas, qui permettra qu'il se joue. Et au lieu de le proposer 2 fois, on le proposera 3 fois dans la soirée. Là, on l'a vu, donc les amateurs sont associés à ce projet. La Nuit Blanche, c'est ça, véritablement, c'est l'idée d'associer la population, de la faire découvrir différemment les lieux culturels, historiques de la ville, de l'agglomération. En tous les cas, c'est comme ça qu'on la conçoit à Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est comme ça que les partenaires s'y associent aussi. C'est aussi pour nous très important que la population s'empare de ces projets, je veux dire, on fait ça pour eux, vers eux, mais aussi avec eux. Ouais. Et ça, c'est très très important dans notre démarche. La Nuit Blanche, c'est pas un rendez-vous élitiste. Faut pas être initié, faut pas être parisien. On peut le faire aussi à Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc on a bien compris. C'est pas un moment initié. On peut venir en famille aussi, même si c'est le soir et que c'est la nuit. On peut venir en famille. On veille à avoir vraiment des propositions pour tous les âges et pour tous les goûts. On peut avoir aussi bien de la poésie si on participe à la Nuit Blanche de la poésie que du cinéma, puisque le Prisme va ouvrir ses portes, les portes de la petite salle au Ciné 7, en attendant donc la fin des travaux, de façon à ce que le Ciné 7 puisse aussi proposer un programme avec 3 réalisateurs, Julie Dumont, Ricardo Munoz et Dominique Aru. Donc c'est pour nous une très grande ouverture. C'est de la musique, c'est de la danse, c'est du conte, c'est une rencontre aussi avec des auteurs, puisque la librairie s'associe à la Nuit Blanche cette année et proposera 3 rencontres, une rencontre avec Séverine Vidal, qui est auteur jeunesse, une avec Maïti Goldman, qui est un auteur du territoire qui écrit des romans adultes, et Mario Urbanet, qu'on ne présente plus, illustre conteur cinquantinois, qu'on retrouvera à la médiathèque et à la librairie. C'est presque trop court, juste une soirée pour la Nuit Blanche. C'est presque un festival, le programme que vous nous donnez. C'est peut-être un peu trop court. En tous les cas, nous, on souhaite vraiment que les gens puissent prendre du plaisir à picorer, à passer d'une animation à l'autre en toute liberté, en toute fluidité, de découvrir aussi ce quartier sous un autre angle, puisque le musée de la ville sera présent et proposera 3 éclairages sur l'architecture du quartier, en présentant l'œuvre de l'homme couché, La main céleste, en présentant le Carillon qui se trouve au-dessus du cinéma et que tout le monde oublie, c'est une œuvre d'art public, et en présentant aussi le principe architectural des immeubles des vagues qui se trouvent au cœur du quartier. Donc ces 3 visites auront lieu par le musée de la ville, de façon aussi à ce que ce quartier a une histoire. Saint-Quentin-en-Yvelines a 40 ans et tout ça en fait partie. Donc le cœur, le gros du programme, ce sera du côté d'Elancourt pour cette Nuit Blanche. Il y aura aussi cette Nuit de la Poésie, puisque la Maison de la Poésie y participe. Et quel sera votre programme pour la Nuit Blanche? Avez-vous peut-être déjà entendu parler aussi de la Nuit Blanche? On va le voir avec ce micro-trottoir. Ben, je vais peut-être me renseigner si le musée de la mode est ouvert et y aller. Ah, moi, je vais sûrement à Paris pour la Nuit Blanche. Ah bah je ne sais pas, j'en ai pas. Ah. Alors ouais, c'est pas tellement ma tasse de thé ça. Je suis plus promenade en forêt. Ah bah aucun programme pour moi. Bah écoutez, je suis jamais allée à la Nuit Blanche avant, donc faudrait que je regarde un peu ce qu'il y a sur internet. Donc voilà, je sais pas en fait. J'ai pas du tout réfléchi, mais ouais, les monuments, refaire un peu tout le tour des monuments de Paris, oui. Peut-être aller à Paris
Il y a peut-être des animations dans le métro, c'est ça? L'année dernière, c'était Station Fantôme, je crois. C'est pas fait exprès, mais on parle beaucoup de Paris dans le micro-trottoir. Bah oui, mais restez à Saint-Quentin-en-Yvelines, on a des propositions pour vous. C'est pas assez connu encore, peut-être, la manifestation des Nuits Blanches? Alors, peut-être que la manifestation des Nuits Blanches, qui est quand même très parisienne et qui commence depuis 2-3 ans à s'étendre sur la région Île-de-France, mais aussi dans des grandes villes de France, commence à avoir son public. C'est aussi peut-être lié à une démarche très axée sur la découverte de monuments et très axée à l'art contemporain. Donc on en propose aussi, mais pas seulement. Et pour ça, j'invite le public à être curieux et à se rendre au quartier des Sept Mares ou à la ferme de Belle-Épa pour voir que la Nuit Blanche, c'est des propositions pour tous, ouvertes à tous. Et ce sera votre programme. Vous serez du côté d'Élancourt. Je pense que je serai du côté d'Élancourt. Et vous n'allez pas aller à Paris pour les Nuits Blanche. Non, quand même. Pas. Vous allez rester sur Saint-Quentin en Yvelines. Merci Sandy Descoings, notre responsable de l'événementiel pour la communauté d'agglomération de Saint-Quentin. Le programme de la Nuit Blanche sur Saint-Quentin en Yvelines et puis sur Paris, si vous ne voulez décidément pas rester à Saint-Quentin en Yvelines, sont à retrouver sur les sites internet qui se sont affichés. La suite du 7-8, c'est avec la chronique écho d'Alice Gastine. Il sera question d'intelligence économique. Auparavant, et alors que la semaine du handicap va s'ouvrir le 8 octobre à Montigny, nous allons visiter un atelier d'art plastique pour des personnes en situation de handicap. Cela se déroule dans les locaux de l'APF, de l'Association des paralysés de France à Voisins-le-Bretonneux. Vous allez donc faire connaissance avec Ghislaine, elle découvre la linogravure. Ghislaine Lenouvelle découvre la linogravure. Sur une plaque, elle reproduit un tableau qu'elle a choisi, les nymphéas de Monet. Le geste des mains est lent. Ghislaine souffre d'un handicap moteur depuis l'enfance. J'essaye de faire au mieux. Faire au mieux et faire bien. Une fois par semaine, des ateliers d'art plastique sont ainsi proposés par l'Association des paralysés de France, installée à Voisins-le-Bretonneux. On essaye de s'adapter avec les moyens du bord. Et puis on trouve des petites astuces selon ce qu'on fait. Alors vous trouvez quelle astuce, par exemple, pour graver? Parce que la gravure, c'est quand même un exercice facile. En fait, j'ai trouvé d'autres mains pour m'aider à tenir la plaque. Et après, moi, je fais le reste. Ici, dans cet atelier de peinture et de gravure, 8 élèves sont inscrits. Ils sont handicapés moteurs pour la plupart. Le temps de l'atelier, on oublie un peu tout. Pour déjà voir les copines et puis progresser dans la peinture. Au début, je ne savais pas du tout peindre. Maintenant, j'arrive mieux à faire des dessins, je me débrouille. De faire des choses comme ça, c'est une évasion. C'est oublier les petits soucis, la vie quotidienne, comme tout le monde. C'est pas toujours simple, mais justement, on essaie d'évoluer pour progresser malgré ces difficultés. Voilà, se dire qu'on peut quand même évoluer. C'est vraiment dans l'idée d'une prise de confiance en soi. Et donc, voilà, évoluer dans ce qu'on peut faire en art plastique. Ces ateliers sont également ouverts aux personnes valides. Une exposition commune de peinture et de sculpture aura lieu à la fin de l'année.